Demi-finale. Robert Sikam de la France contre la Pologne. Kalka. Les GPistes vont faire un duel jusqu'à 15 points. Nous avons l'équipe de la France qui est là pour les supporter. Les bénévoles sont identifiés en rouge. Vous voyez les fixations qui soutiennent les fauteuils. Alors, les arbitres sont en préparation pour vérifier si les reprises vidéo vont fonctionner. Donc, nous avons un combat entre deux gauchers. Les gauchers se retrouvent souvent en finale en escrime. Robert Sitter qui s'amuse beaucoup ces temps-ci avec la reprise vidéo. Il a plus de 20 ans d'expérience au niveau olympique. Il va y avoir des arbitres sur les estrades à côté des athlètes qui vont surveiller les fesses et les hanches des athlètes, voir si les athlètes trichent en levant les fesses. Ils sont là pour donner des avertissements. Un carton jaune donne un avertissement, un deuxième carton jaune donne un carton rouge et qui donne un coup à l'adversaire. La faute est répétée. Il y a maintenant une prise de mesure de distance par rapport à la personne qui a le bras le plus court. Elle va choisir la distance au niveau du coude de l'épée. L'arbitre tient les épaules de Robert Sitterne afin de bien le centrer. On met maintenant les vêtements supplémentaires qu'on appelle la jupe pour protéger la chaise afin que si l'épée touche, ça n'allume pas. Et que ça ne donne pas de faux points à l'adversaire. Donc, la civalisée, le tronc, les bras et le masque pour l'épée. L'escrime en fauteuil roulant.
l'arbitre mesure aussi le poids de la avec la pointe. La pointe doit repousser le poids afin d'être fonctionnel. Durant le match, l'athlète ne doit pas toucher cette pointe. S'il a un doute, il peut faire vérifier par l'arbitre. Un ajustement de la jupe de chaque côté par les arbitres. Afin qu'il n'y ait pas de triche, qu'il n'y ait pas une couverture de cible trop haute, ça doit être ajusté en fonction de la hauteur des hanches. La Pologne semble avoir un problème au niveau de la jupe à droite. La jupe ne tient pas. Vérification des armes, des jupes. Et du sol. On a un tapis qui isole au niveau du sol ici, sous les fixations. Salutations à la foule, l'arbitre et les arbitres sur les côtés. On va commencer. Alors Robert qui est toujours fier de porter ses couleurs. Les couleurs de la France. Il a été un des premiers à porter un masque. Les couleurs de son pays. Garde les faits. Début de combat. 3 minutes. Point du côté de la France. À l'épée, premier qui touche à le point. Robert joue très petit. La première fille est dans la main, le coude, l'avant-bras ou l'épaule. Demande de vérification de la pointe par la athlète et des fils de corps. Il croit avoir touché et allumé. Malheureusement, son équipement est fonctionnel. Alors, 2-0 pour la France. Touche de la part de Robert. Très rapide, une grande vitesse d'exécution. Le gagnant se retrouvera en finale. Les deux athlètes ont touché en même temps. Les deux auront le point. À l'épée seulement. À droite prend plus de chances, ouvre plus grand facile et Robert en profite pour toucher.
La tête de droite qui touche. L'arbitre qui demande à reprendre place en plein centre de la chaise. Alors, un petit mouvement rapide qui donne le point à la Pologne, 5 à 3. L'attaque de Robert qui ne touche pas. Trois fois. La Pologne sur la défensive. Et la touche à la main. L'athlète conteste, l'athlète de la Pologne, mais la touche est valable. Oui, donnée par le juge à la France. La Pologne qui pense qu'il y a un problème au niveau des équipements électriques. La remise en garde se fait, le match est continué. L'attaque de la gauche touche 4 à 3 pour Robert Sutton. Et un des favoris de la compétition. Double touche. Une attaque, une contre-attaque. Et l'arbitre ajuste la veste afin qu'elle soit sous la jupe. Et la jupe est ajustée sur la chaise. Le match est terminé à 15 touches. Avec élimination directe, il reste 1 minute 43. La dernière touche est annulée. Le fil de corps semble cassé au niveau de l'escrimeur, le fil de corps qu'il portait. Il va y avoir un changement d'équipement. Une petite pause pour les athlètes. C'est le temps de boire de l'eau, recevoir des conseils. L'athlète demande à boire de l'eau. Robert qui conteste qu'on n'a pas le droit de boire de l'eau. La juge américaine refuse. La juge refuse. La juge refuse. C'est comme des gamins qui